Moi je veux du HUC. À mon pote la nuque. Ça va, petit dindon? Ça va ou quoi? On est là pour un petit opening. On va s'ouvrir 10 cristaux. Un petit prout, vous avez entendu, petit prout? 10 cristaux chevalier classique. Le but c'est d'avoir un 5 étoiles. Bon, si on a mieux, tant mieux. D'accord? Mais si on peut avoir un petit 5 étoiles, direct des débuts, c'est pas le cas. Comme ça, on aura 2 5 à ouvrir après et un 6 étoiles. Donc là, ça commence mal. Mais j'ai confiance, j'ai confiance. Santé à mon sponsor qui n'est pas mon sponsor. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on espère? Juste un 4 étoiles, pardon. Un 4 étoiles ou un 5. Ah, tu vois, il m'a dit il a jamais de chance dans ses cristaux. Il chope toujours de la merde. Je commence à me dire qu'il a peut-être raison. Mais un 4 étoiles, normalement, le taux de drop, il est costaud. Kabam, kabam, le taux de drop. C'est un 4 étoiles, demain un 4 étoiles. Comme ça, on a les éclats pour s'ouvrir un 5. Ok? Oh, chez les fils de pute. Sérieux? Ah ouais. On va encore dire que je suis agressif avec la communauté, mais... Quand même, ils abusent, hein. 11 000 unités, 4 millions d'insignes. Quel beau compte. On ira faire un tour après. Bon, voilà, c'est bon. On a les éclats manquants, je pense. Pour ouvrir un 5 de plus. Normalement. On continue à s'ouvrir ça tranquillou. On s'ouvre ça tranquillou, parce que c'est un bel opening. Donc maintenant, ce que je veux maintenant, c'est des 5 et du 6. Et si je chope un 6 là-dedans, je mange ma bite. Je vais pas la montrer, c'est YouTube, il y a des enfants. Je peux faire un saut avec mon cul en l'air. Ah, je vais montrer mon cul. Non, je sais pas, je peux baisser un peu. Non, je peux pas. J'essaie de faire un saut vrillé avec mon cul qui passe devant l'écran. Alors, attention. Voilà. Putain, j'ai eu un 6. Alors, pourquoi pas un deuxième 6? Redonne un autre 6. Wesh, sérieux là? Donne-moi un autre 6. Attends, maintenant. Ah bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est crâne rouge, c'est pas fou dingo. Mais ça reste encore... c'est un 6 quoi. Ah, on a eu 3, 4, 6, maintenant je veux un 5. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain, donc le gars dans son opening, là, il aura 2 6 étoiles et 2 5. Moi je dis tout va bien dans le meilleur des mondes. Putain. C'est pas mal. Moi, je dis quand même pour des cristaux de chevalier classique avec un taux de drop assez faible. Donc, du coup, on a eu 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui serait bien, c'est un autre 6 étoiles. Ça serait génial. Oh, j'y ai cru. Putain, il va se décaler et tout. On va pas se plaindre. On a quand même une chatte extraordinaire. Là, on a chaté fort. En plus, il y avait des personnages qui l'avaient pas. Crâne rouge, il l'avait pas en 6. Annihilus, il l'avait pas en 5. Il doit peut-être l'avoir en 6, je sais pas. Mais putain. Ça commence sur les chapeaux de roue, son opening à lui. Il a une foufoune extraordinaire. Putain. Allez, un autre truc puissant. Un autre 4 étoiles. Voilà. On va dire que sur 10 cristaux, là, 2000 unités, ah, c'est bien, bien rentabilisé. Hein. Franchement, c'est pas des top, top, top. Hein, quoique Annihilus, j'aime beaucoup. Mais bon, crâne rouge, c'est crâne rouge. Mais quand même. Allez. Bon, t'as 2 Annihilus. Du coup, ça fait qu'on commence à être pas mal. Eh, sincèrement, sincèrement, il y a de la gueule mon opening, non? Retour au cristaux. Donc, ça fait que maintenant nous avons exactement 2 5 étoiles à ouvrir. Tac. Tac. Et après on ira s'ouvrir le petit 6 étoiles. Sachant qu'on a déjà eu un 6 étoiles dans le plus grand des calmes. Et après on me dit que moi j'ai pas de chance dans mes openings. Moi j'ai pas de chance. Moi, j'ai pas de chance. Je sais pas ce qu'il a besoin. Mais je pense que vu la gueule du compte, il a pas besoin de grand chose. Malgré que... Ah, c'est toujours intéressant. Elle, c'est toujours un vrai kiff. En double, forcément. Ah, on l'a éveillé. Du coup, maintenant, il peut plus mourir. Ouais. L'éveil est intéressant. C'est pratique. T'en prends plein la gueule. C'est un vieux personnage. C'est un vieux personnage. Je suis d'accord avec vous, mais... quand tu prends des grosses P3 dans ta grosse Chico, qu'il n'y a pas d'effet chelou derrière, bah... Elle tombe jamais la connasse. Elle reste debout. Elle est puissante.
Bon, après, ça devient pourri. T5, par contre, sont nuls. Ah, T5 sont nuls. Tu vois, ah, ça me dégoûte. T5 me. Ah. Après, ça fait des éclats. Hein. Maintenant, on va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, ça, je vais te le laisser, par contre. Hein. Je vais te le laisser, je pense. Voilà, par contre, là, on espère. On espère quoi? On va aller voir C6 vite fait. Mon jeu est lent ce soir, aujourd'hui. C'est pas le téléphone, c'est le jeu. Donc là, il y a eu crâne rouge en nouveau. Déjà, en 6 étoiles, il y a un nouveau crâne rouge. Ah, si on pouvait. Il faut qu'on double Namor, il faut qu'on double Aegon. D'accord? Namor ou Aegon? On double Namor ou Aegon. D'accord? Namor ou Aegon. Ok, pas de problème. Ouais, on va se doubler ça alors. On va doubler un Namor ou un Aegon. Moi, je suis chaud. Chaud patate. Tac, tac, tac. Oh, c'est Namor. Je l'ai vu passer. Oh, il va doubler Namor. Oh là 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 là. S'il double Namor, je me rase les boules devant vous. ouais, je suis comme ça. Pas cool. Voilà, j'ai pas le temps de cliquer. Donc maintenant, on n'a plus qu'à espérer quelque chose de vraiment puissant. Je pense que là, il va me lécher les couilles. Je pense que Dark Chris, là, c'est peut-être le plus bel opening que j'ai fait sur ma chaîne. Bâtard. T'as vu, à une case de Namor. À une case de Namor. Je tiens à le dire. Mec. Ah, c'est costaud. Attends. Non, le bébé dort toujours. Voilà, c'est costaud. Gros. T'es un sale bâtard. Là, je suis dégoûté. Genre, tu sais quoi, pour la peine? Parce qu'on va forcer la chance. Je vais ouvrir un dernier cristal. D'accord? On va ouvrir celui-là. Et après, je touche plus à tes unités. C'est promis, je touche plus à tes unités. Mais je voulais pas que ça fasse, tu vois, je voulais que ça soit un beau compte. Et en fait, je suis en train de me dire que vu la chance que j'ai là, ça se trouve, je reprends un dernier 300 U. Et là, je te claque un truc du futur. On double Nick Fury. Hein. Et là, on double Nick Fury. On double Namor. On double Aegon. Un truc comme ça, tu vois. Bon, il faut qu'il s'ouvre. Voilà. Je vais dire non, mais là ça aurait été fou dingo. Là ça aurait été fou. Bon, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. On va s'arrêter sur le. En photo de son dernier. Putain, mec, la chatte est fort. Waouh. Théma, regarde-moi la gueule. Regarde-moi la gueule de cet enfoiré. Je pense que ça, ça vaut le 6R2, même mon doublé. C'est. Waouh, c'est un bordel. Franchement, c'est un bordel. C'est un bordel. Ah, je suis en kiff. Ah, je suis en kiff total. Je laisserai le monter, je laisserai faire tout ce qu'il veut. Mais j'ai envie de cliquer comme un gros porc. Juste voir où il en est un petit peu sur le compte. Tu vois, où il en est un petit peu. Si ça avance bien là-dedans. Je suis curieux. Ok. Carrément, je suis. Moi, je suis plus loin. Moi, je suis plus loin que Chris. Avec son gros compte d'enculé. Moi, je suis plus loin. Bah, par contre, là, avec Nick Fury, tu vas prendre là, la Médusa. Tu vas la niquer comme ça. Bah GG. GG, ça donne quoi les variantes sinon? Ouais, je suis curieux, ouais. Ouais. Alors, peut-être que tu bouges ton cul un petit peu par contre. Hein. Parce que... Il y a du chemin encore. Ah ouais, non, oui. Ah non, tu bouges ton cul, mais... Mais quand même, t'as la même fait l'héroïque, le maître. Sale fou, dingo. Sale fou. Oh putain. J'adore les gros comptes de porc. Putain, regardez ce con, ça. C'est dommage que t'as pas de... J'ai des trucs GM6 mais je suis en fou moi. C'est pas encore ça. C'est un très 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 beau compte. Ah ouais non, t'es bien toi. Ah ouais, t'es bien toi. Ah t'es bien. Ah t'as les couilles qui brillent. Ah ça brille là. Là tu peux tout faire là. Espèce d'enfoiré. Va. On va retourner sur le compte de Dark Race. Avec son beau prestige. Son beau compte. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir. Sur ce mes petits dindons, bah vous avez vu... Je suis l'homme qui a de la chance. Je suis l'homme qui a de la chance. Et juste un truc à dire, c'est bonne bifle à tous et bonne journée. A très bientôt. Bah, ouais, bientôt. Et Red Bull, c'est sponsorisé, bande d'enculés, va donner 50 balles. 50 balles et moi, je mets des Red Bull dans toutes mes vidéos. Merci.